Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour. Et en tout cas, na sepeli a trop lelo. Encore une fois de plus, lelo toza a le 18 janvier 2023. Nazaka kana moi préoccupation moko parce que Contact Pro Live grand format boye bakango kezalaka émission oyo to réagissaka mingi na actualité oyeza ko sala tendance mingi oyeza ko kende beaucoup plus au courant la semaine. Donc aujourd'hui toza jeudi, lobby est vendredi, mais actualité moko eza ko prédominer awa depuis proclamation ya ba résultat provisoire comme on dit ya ba député nationaux. Actualité wana eza ko persister kaka puis ezo tia mbutu na kati ya république. Mutu dans quel sens c'est que ezako discrédité pratiquement ba élection oyo to salaki. C'est comme si ba résultat oyo kadi mazo proclamé ezako lakisa justement ba tundenge nini bazalaki baza nommé quoi parce que ba to bazana ba PV bazako kamwa mais ndenge nini ngai Natali na ba PV oyo je devrais en principe être proclamé sur la liste. Maintenant, ça proclamé. Et puis, awa na ouvrir na moi parenthèse moko. Kadima azako proclamé ba liste selon lui provisoire avant que batubaya ko recourir na ba réclamation ba tout ça. Il a donné déjà une liste de 473 je crois, 473 députés oyo en principe na ba élection oyo moins ba territoire wana oeza et kenaki ba élection te. Donc nous avons une liste d'à peu près une affaire à 473 ou bien 77, je peux me tromper les chiffres, mais ezali kolakisa donc ce que lui proclame et que c'est cette liste là selon lui qui va présenter na cour constitutionnelle parce que en principe c'est ni azana selon la loi azana nani na bitinda wana te ya kozwa ba réclamation ou quoi que ce soit ko traiter ba biloko selon se oyo nga na yebi na ndenge ya ba réclamation a seni. Seni ako ki kozala te ke wana bokende deuxième session quoi ndenge o balobaki batu baza koloba ke deuxième session oh non a désactiver ou bien a invalider ki ba candidature a batu msusu tout ça. En principe CENI n'a pas ce droit là. La CENI devrait en principe donner cette probabilité nani wana na cour constitutionnelle tant ou batu wana ba kokende ko réclamer ke non ngai nazala ki boy. Donc toute réclamation selon ya banani ya ba élection eza ekendaka mingi na cour constitutionnelle. Et donc awa tomoni actualité wana eza kotia mbutu surtout pas na cadre ya ba na kan ya ba opposant mais plutôt na kan ya ba to ba gagnaki na présidentielle. C'est là où on se dit finalement ba élection oyo kadi masale libiso eza ndenge nini. Je vais d'abord rentrer en arrière na likambo ya ba élection parce que bozomona ngai pe na j'ai été électeur en Afrique du Sud, Moussapinanga, en Kresananu. Moi, je suis témoin, je suis allé élire mon candidat. Na batu oyo, ba to accompagna ki na batu oyo, belé oyo, to kenda ki pona ko élire candidat na biso, nous étions à peu près nombreux. Jour wana ya le 20. To zala ki belé. Parce que to ya ki na transport ya, Mutunabiso Oyo a organisé qui awa je vais taire les noms de ces partis politiques pour lesquels nous avions voté. Nous étions à peu près au-delà de Naloba, au-delà de 200-300 personnes. Ba Oyo tozala ki na ba candidature sur ya président Nabiso wana. Mais malheureusement, Oyo tangu Seigneur proclamé na ba candidat présidentiel, parce que ça, je parle de candidat présidentiel. Parce que ici, à l'étranger, nous n'en a pas voté, député provincial ou bien ba député national. Non. Tout ça, là, qui kaka, député provincial, donc, disons, candidat président de la République. Grande a été notre surprise que Totali Penza, que non,
ba résultat et kenda ki na sens moko o bino boyebi. Je ne veux pas y revenir. Mais autant que toloba kabandeko, le faux reste le faux. Le vrai reste le faux. Ce qui bosali makambu nako na vérité eye banaka. Pourquoi je vais intervenir aujourd'hui? Parce que effectivement milelo ya batu na ba menace batu bakomi ko sala pona, vous savez aujourd'hui toza le 18, donc dans deux jours président de la République il faut prêter serment. Le camp même du président de la République, on commence à dénoncer, à crier à la fraude. Balobi ba élection o eza malamute, ba élection oza malamute, ba élection oza nomination. Donc sa crédibilité à ba élection oyo est comme mise en danger. Est-ce que nous allons vraiment aller na sens wana ya kozala na président moko oyo ba élection ezala ki tricherie à flagrance? Bandeko, elanga nzembo moko ya mboka na biso ayembaka lobaka na biso lobi, lokuta eyaka na ascenseur, vérité eyaka na escalier pe komi. Au fur et à mesure que nous avançons, mikoleza koleka, la vérité de ces, la véritable vérité à ba élection na biso ya le 20, e bandi kobima. Pourquoi e bimi lelo? Parce que, un, moi je crois que ezali comportement ya opposition, parce que l'opposition déjà dès le départ, ezala ka divisé pour na kokende na ba élection, pour na kokende na ba élection te. Beaucoup na kati opposition, surtout en azolo bela PPRD, ils ont été convaincus que ba élection e kozala ka inutile pour na kokende na kati kuna, parce que ça ne valait pas la peine. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà que les résultats qui sortiront de là ne sera pas juste, donc ça ne valait pas la peine que ba kende na ba élection ana. Ça, c'est le PPRD. Nous avions vu encore une fois de plus au sein même à Fayulu, hésitant à kende a kendete. Il est parti avec un pied dedans, un pied dehors, jusque l'élo oyo a commis kose qu'on s'est ridiculisé, donc il a été bâti à plate couture, et donc il va partir là-bas aussi, après avoir interdit na ba soldat na eba kende ko postulete, donc le camp Fayulu est parti donc un peu décousu. L'opposition maintenant a totale opposition. Ba yebisaka bango bo se mettre d'accord pour que bo tala ndenge nini bo ko affronter ba élection oyo, parce que déjà la tricherie était flagrante selon ba to bazala ki averti. L'opposition n'a pas voulu attendre ba yokana te ba kenda ndenge bazo ba kenda wana. Ça c'était une parenthèse, mais de côté de la majorité maintenant, il y a Félix. Félix a préparé ses élections ici depuis à Kota qui n'a pouvoir naé. On a vu Makambo à passage à Baba tu à cour constitutionnelle, parce qu'il savait que la dernière rempart na katia mayon na biso oyo ya réclamation ba élection ezali cour constitutionnelle. Et donc il s'était bien préparé en posant même atia batunaé kuna. Cour constitutionnelle, sili, vous aviez remarqué que les gens qu'on avait mis à la cour constitutionnelle, bah, y'a quand même avant, bah, tu as saigné. Voilà un peu, je vous illustre un peu ce que moi j'ai compris, place d'une tricherie en Ouézalaki. Donc, c'est-à-dire que la tricherie a été très très bien préparée. Mikakatano, oh, y'a qu'au choisir Kadima, Ezalaki, justement, bataille, moko, oh, yo, Félix Tshisekedi alongaki. Moi, je ne dis pas que, parce que Batumsus Bazako Lobakeno, est-ce que c'est Félix qui a triché? Oui, c'est Félix, c'est le bénéficiaire de la tricherie. Félix a triché, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi l'élo Oyo, Batunyo Sotou Bazako Lobakeno, Ezaba nomination, et puis les listes étaient déjà faites, et puis on demande au président de la République d'intervenir, Batunyo Sobasa Laboye, on demande à celui-ci de faire ceci. Donc, ça, on comprend que cette histoire a été boutiquée depuis le commencement. Et donc, ce que nous avions fait là, ce n'était qu'un canular des élections. Donc, Babane Koko Sabiso. Ainsi donc, et comme ici, qu'on dégénine.
Bandeko, moi je suis vraiment sidéré de voir na côté à Butembo kuna, côté à Beni Butembo, batu baza kotinde la biso ba fait de fait que les gens ont été nommés parce que ces gens-là ne méritaient pas, n'ont même pas eu le devoir. Bazala qui pratiquement sur le terrain, ils n'ont pas fait campagne. Sur le terrain, donc, ils ont usé tout simplement de l'air, non? En disant que Bangone Mutu Bazali, ba leader, y a côté Kuna. Ils n'ont pas bâti campagne, on ne les avait pas vus dans la rue, pratiquement. Et puis, tant que ba liste bimi, ba PV bimi, et là, qui sait effectivement que ces gens-là n'ont pas travaillé, ils n'ont pas été votés. La population ne les avait pas votés, mais ils ont été peut-être désignés par la CENI. Pourquoi ils ont été désignés eux-mêmes, Bango Moko Bayebi Ponanini Bazala qui désignait? C'est ça justement le problème qui est là. Et c'est par là que moi aussi, ça commençait un peu à me faire tiquer en disant, ah, Makambo est total angona nous bien bien. Et du jour au lendemain, Nengenine Makambo Ezako Kende, nous venons maintenant de découvrir que même dans le camp du président de la République, bah, aigri, bah, combien est belé. Je ne veux pas aller ici cas par cas, mais les aigris sont nombreux. Et le cas le plus flagrant, Eza Nini, Eza Likamboa Mama, oh, Soki Lydia, Soki Nzia Lydia, Wana, oh, Azalakana États-Unis, les gens qui sont aux États-Unis nous disent que c'est la femme de quelqu'un qui travaille à membre à Yanani Aseni. C'est sa femme. Et aujourd'hui, on ne les connaît même pas. Donc, sur les 11 candidats, Soki Nafuna, Kuna, Soki Nini. Sur les 11 candidats, il y a à peu près 7 personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu sur le terrain, qui se retrouvent être nommées. Ça, c'est à Kinshasa. Mais donc, c'est qu'on a la province, c'est Zandengeni. Et tout ça, ça montre discrédit à l'élection. Donc, tu connais pas l'élection, c'est qu'on Zandengeni. Comment allons-nous accepter ces canulars de ces élections ici? C'est ça le problème qui se pose maintenant. Nous devons nous poser cette question-là. Eza makambo zandengeni. Comment on va faire maintenant? Et on se pose la question. Le président de la République va-t-il cautionner, va-t-il accepter aussi que biloko ekende nangoka ndengona? Et c'est là, ce qui ekende ngwana, nous allons confirmer le fait que batumoko boe babande koloba ke toko dirige bino nanko, bo konzina biso eza ya biso, bo konzeza e pa na biso. Donc, et comme ici, quoi, et là, comme on tozo le baké, awa, toza, ko, batuba komi ko sala nandenge na bango, batuba komi ko sala nandenge na bango, mboko, et komi kaka sokoza na loma, osali, soza, oza, yuma, te baroki, donc, il faut za la gang. Voilà un peu ce que nous pensons, parce que, émission, elle est là, effectivement, dans l'obéi, il souba élection pour nanini, parce que, beaucoup de gens m'ont posé cette question, surtout Batou O, Batindela Inga, ba question côté Nord Kivu Balobi. Papa Germain, regarde ce qui se passe. Je crois que ce que tu as toujours dit est vrai. Tala Batou O, tala ba PV Ndenge Zali, tala ba nombre Mutu O Azwaki. Sur na terrain, tomona ka été jamais ayeko sala neti ba vraiment musala ya campagne. Non. Il s'est présenté une ou deux fois devant le public, c'est fini. Et le reste, ezalai kaka ba makelele, comme Kabuya l'avait dit que non, bino bokende kako sala ba makelele, nous le reste, nous saurons ce que nous allons faire. Maintenant, oh, eza feedback, toloba, eza feedback ya ba maloba, oh, Kabuya loba ki. C'est-à-dire que, il connaissait ce qu'il faisait. Bango ba boya ki même kopé sa ba tuba kende ko sala, ba triko ba nini ba mbongo, parce qu'il savait que non. Au finish, et qu'aux alambogues, mbongo moko ango, boboa ki ango pa pamba, parce que les élections étaient déjà connues d'avance. Les résultats étaient déjà connus d'avance. Ainsi donc, comme à Contact Pro Live ici, bande konangai, toyaka awa, toyaka ka koperorete, mais nous donnons souvent une perspective, il y a solution, il y a problème. Ça, c'est un grand problème. Tokomi komona batuba komi ko menacer. Oh non, baluba, boko kende. Boko zala bozo vote, kuna biso tozo benga na biso koto. Et komi baluba. Mutu moko d'ailleurs atinde lingai, a reza attention nanga lobi. Germain, regarde ce qui ont été nommés par Kadima. 85% de tous ces 473 députés nommés sont des Balouba. Et donc, le Parlement sera
pratiquement à Yabaluba. Et puis, j'ai appris, ça reste à compris, à confirmer. Il y a Matata Mponyo qui a désisté à l'obéir à Kokende na Parlement en athée. Et je crois que batumsusu ba komi kolandaliste ba lobite na ndenge makambo eza ko kende parlement wana toti ke lango kaka bozwa ka bango bino nyoso comme ça allez-y faire ce que vous pouvez faire et donc là-bas ça ne sera plus la démocratie en République démocratique du Congo et donc ce qui déjà élection oyo na ndenge ya ba député et komi kozala entanché avec des tricheries et tout le monde et komi kozala neti ya ba nomination c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élection en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que Zala qui tricherie, moi que Zala qui préparait. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que non, les élections ont eu lieu en République démocratique du Congo. C'est là le problème. Et donc, Ngaï, vraiment, tout ce que je peux dire pour l'instant, comme je vous avais dit, moi, ma pensée est celle-ci. Bandeko, je crois que Kadima avait fait quelque chose qui était très bien en appelant les gens sur une table, bayokana, pour ba signer, ba code de conduct, wana. Il y avait beaucoup, en tout cas, 95% de ces candidats-là étaient sur cette table-là. Et moi, je pense que aujourd'hui, j'aurais même souhaité que Kadima refasse la même situation en disant, les élections sont passées, voilà les résultats que nous voulons discuter avec vous. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais avec pour arriver à de tels résultats. Ça va un peu crédibiliser Batou. Eko pesa Batou Moussousou. Moi, sans à Koloba, Kadima peut encore récupérer la situation en s'expliquant au courant, au na ba tena, yaba nani ba oyo, ba participer na ba élection oyo. Parce qu'aujourd'hui, on crie « Oh non, tricherie, tout ça !» Nous ne pouvons pas supporter d'aller na Babiloko Oyo, ya ba guerre boye. Ya ko s'imposer par la force. Ça ne profite à personne. C'est comme ça que moi, je suggérerais que Kadima, lorsque, bon, si ça serait encore possible, que ba repousse nanou, nani prestation à serment à président de la République, même pour les 30, ça ne cause pas encore de problème. Justement pour harmoniser le point de vue des uns et des autres. Appeler tout le monde à venir écouter pourquoi est-ce qu'ils ont fait ceci. Qu'est-ce que Batouba Loba? Que les gens s'expriment pour essayer un peu de crédibiliser cette élection. C'est-à-dire que appeler tous les participants à ces élections à une table ronde et qu'ils expliquent en disant voici ce que je fais Bandeko. Bah oh bobo bozwa kite, voici là où vous aviez failli. Bah résultat yango oyo. To sala nanu avant to kende nanu na cour constitutionnelle. Au lieu to kende ko sala babiloko a boye boye. Ça montre effectivement que tozo sala babiloko ango na pressé et puis babiloko a pressé za nini eza likambo ya solo te obalobaka et lokuta yaka na censeur. On veut précipiter les choses pour dire que likambo ango eleka. Or likambo ango soki eleki na modèle oyo, ça ne va pas crédibiliser les élections. Et moi je pense que Kadima devrait en principe appeler tous les acteurs qui ont participé à ces élections ici et tout le monde qui voudrait lui poser les questions et de savoir qu'il vienne avec les arguments en disant voici ce que j'ai fait pour que Nato obtenir Basei, Likambo ya Basei, comment est-ce que Batumsusu Bakiko s'est retrouvé boe Basala Kibo. Ils ont fait ça maintenant, voilà les preuves par exemple. Yo, aujourd'hui, 180 000 voix, et puis, osa désigné T. Voilà comment nous avions procédé. Ainsi, ça va apaiser, je crois, climat au tozo kende nango na kati boy. Sinon, tant que tozo kende boy, et qu'on explose, bah, tout m'sous, bah, risque, bah, kende kolanda nanga kuna, et puis, le Congo, ça sera ingouvernable, bah, bilo, comment, quoi, marikwana. Nous n'avons qu'un seul Congo à protéger, mes chers amis. Yangwana, il faut que tout se focaliser vraiment sur quiétude de la population. Que les gens puissent s'entendre. Même si ça sera 80% des Balouba qui seront au Parlement. Mais que Batouba comprendre comment est-ce qu'ils se sont, comment qu'ils ont en dégénie.
Mais tant que tu vas accueillir, bah, t'es, bah, toi, n'a pas comment qu'il y en a des et que tout le monde crie, na tricherie, na babilo, quoi, boé. Je crois que deuxième mandat est qu'aux alaïlo, comme au coboé. Oh, tout le monde a kokota kuna avec un esprit à koiba, parce que tu sais que tu n'auras pas l'état. Y'a kopé qui s'abattu à koloba, que no boiba, t'es, tout ça, non. Tout le monde qui sera là est qu'aux alaïlo, dernier coup de sifflet, moutouna moutoua, et que, oh, on est sous cannabiso, sous kayanan, il faut tokende, nani nanga ango moyibi kozala. Donc ba règlement de compte kozala, tout ça le pays ne sera pas vraiment na attitude moko oya koloba keno tozo kende wapi tozo sala nini. Les projets qui seront entamés ne seront pas terminés, le contrôle ne sera pas là. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais nayebi ba congolais modèle nini ango bazako bunda. Regardez combien de personnes ont postulé pour que bazala ba député, parce qu'ils savaient que Félix Alobi que akoba kisabanani baba ba salaire ba député, et tout le monde tous des suspicions wana ezo sala de façon que ezako augmenter eloko moko oyo ba congolais ba lingi mutu nyoso to lingi za la député, et personne ne veut rater cette opportunité. Et c'est ainsi que toyebi ke na dernier mandat oyo kozala vraiment dernier coup de soufflet avant que mutu ya solo aya kozwa peut-être pays to akotia ordre na kati ya mboka na biso. Ce mandat ici, moi je n'espère pas que Félix akosala eloko msusu o asala kite na deuxième na premier mandat na ye. Moi je ne le vois pas vraiment faire autre chose, même s'il dit quoi que ce soit, parce que un médiocre reste un médiocre. Babilo kona enyo swana za kosala, je ne pense pas que Félix peut relever ce pays. Excusez-moi batoyo balandanga batoya Félix, parce que na lobby na ndenge wana, mais c'est la réalité justement. Mboka na biso ezo kende kaka na kobeba 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 mikolo nyoso. Place to tie espoir ezalité. Alors mutu oya koya sikwa ko aoka ezoka kanisa keno na deuxième mandat de Félix akoya kotia ordre. Peut-être en modifiant la constitution, y a qu'au sala babilo comme sous oyo et qu'au toujours na négatif. Nous sommes en train de partir dans un mauvais sens. C'est par là où je vais terminer cette réaction au grand format de ce matin. Donc vraiment deuxième mandat Félix Tshisekedi, ce qui tobongi si ango malamute, le pays va sombrer dans le chaos. Pour terminer, je vais encore demander à tous ceux qui sont en train de me suivre, bandeko, bao bolanda kangai. Tobenga kabin mikolo nyoso, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. Bolanda kangai, ça fait depuis plus de 2 ans en haut. Vous ne vous êtes pas encore abonné. Et puis, il y a même ceux qui, babenga kangai, tout ça, on discute, mais quand je regarde comme ça, ils ne sont même pas abonnés. Je lance encore un appel, na mutu nyoso oyo, alanda kangai régulièrement. Et qui n'est pas encore abonné, abonne-toi s'il vous plaît. Ane o to lingi vraiment to mona média oyo elongwa média ya ba élite, mais to banda quand même ko réunir beaucoup d'élites devant nous. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de des milliers de gens. Non, parce que les 5 milliers de personnes là ne suivent pas la réflexion. Batu o ba lyoka kam balanda mutu balinga koyoka ba biloko ya boété. Mingi komona ba video ezalaka na ba multiple de views, tout ça ezaba biloko moko oyo ya réflexion te. Tant musuo kolanda nga o comprendre te mingi. Tant mususu ba comprendre nakate. Oh mutu azolo ba makamunini, parce que ça ne les intéresse pas. Ici nous sommes sur la tête bandeko. Rappelez-vous, nous réfléchissons et nous réagissons avec une certaine réflexion. C'est comme ça que nous donnons à chaque fois Nasuka ba émission na biso topé saka ce que nous pensons qui devrait être fait. Voilà. Donc j'espère que le message est passé. Ba to bokolanda pe émission oyo ba bo partage akapé, mais j'ai pris une décision que je ne répondrai à seulement ceux qui sont abonnés. Soko za abonné te et que oza ko solisanga ozo tindelanga ba message, si tu es abonné là je vais répondre et que je peux engager une discussion avec vous. Mais si tu n'es pas abonné vraiment là, en tout cas, vous allez voir que Naza correspondre. C'est parce que je me force y a correspondre à ma question. Non, surtout oh bon, ils allaient qu'en servir. Y en a ni. Au sol que question. Pourquoi tu as dit ça? J'essaie un peu de m'expliquer, parce que je sais que je suis en train de m'adresser à une élite qui comprend ce que je dis. Voilà. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.